C'est Pocoyo et son ami Lula. Bonjour Pocoyo. Bonjour. Et bonjour Lula. Vous avez l'air de bien vous amuser tous les deux. Lula. Tu as trouvé quelque chose? Oui, c'est un chien en plastique. Oh, regarde, il y a quelque chose sur son dos. S'il vous plaît, les enfants, aidez Pocoyo et dites-lui comment s'appelle ce petit objet. Une clé. C'est une clé. Absolument, c'est une clé. Ce doit être un jouet mécanique que l'on doit remonter. C'est ça, Pocoyo. Tu dois tourner la clé plusieurs fois, comme ceci. Continue, c'est très bien. Parfait. Maintenant, repose le chien par terre. Oh, regarde-moi ça. Oh, il peut aussi aboyer. Il est parfait, ce toutou. Oh, toutou. Pocoyo, Lula a très envie de jouer avec toi, elle aussi. À mon avis, il a besoin d'être remonté. Un saut périlleux, mais il est formidable, ce jouet. Oh, regarde, Lula aussi est capable de faire des acrobaties. Bravo, Lula. Je ne savais pas que tu sautais si haut. C'est rien. Ne sois pas trop triste, Lula. Pocoyo, tu n'as peut-être pas remarqué, mais l'une de tes amies est très triste.
Soyez gentils, les enfants. Dites à Pocoyo qui se sent triste et n'a plus le cœur à s'amuser. C'est Lula qui est triste. Pauvre Lula. C'est normal, tu n'avais Dieu que pour ton nouveau jouet et je crois qu'elle s'est sentie un peu abandonnée, la pauvre. Lula? Lula? Tu veux jouer? Ah oui, j'aime mieux ça. Ne t'inquiète pas, Lula. Pocoyo t'aime plus que son jouet. Je le sais. Fais-moi confiance, il me l'a dit. Vous avez l'air de vous amuser, tous les trois. Et parfois, il faut juste faire attention aux animaux et aux gens qui vous entourent pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. De cette façon, tout le monde est heureux. Un grand bravo pour Pocoyo. Et un autre pour Lula. Au revoir et à très bientôt.